Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Alors, ce n'est pas un coloriage extrait d'un livre, c'est un coloriage que j'ai eu gratuitement sur internet et c'est un coloriage que j'ai proposé sur mon groupe de coloriage. Coloriage, notez hein, combien de fois je le dis. c'est un coloriage, oui, encore une fois. Que j'ai proposé sur mon groupe comme défi. Vous savez que pour celles qui sont sur le groupe, et puis j'en parle régulièrement, je propose tous les 15 jours un coloriage à faire. Donc tous les 15 jours, on a le même coloriage à faire. Et là, donc c'est quelque chose de différent. D'ailleurs, les filles, la plupart qui le font, n'en avaient jamais fait. C'est un colo avec un loup dessus. Voilà. Donc, il y a une technique pour faire le loup. Il va falloir faire des poils. Voilà. Donc là, c'est la première partie. Moi, je vais vous faire ce colo en deux vidéos. Là, il est terminé, hein, mais je vous fais deux vidéos pour pas que ce soit trop long. Donc là, la première partie, c'est bien sûr la tête du loup. J'ai commencé par le plus difficile, hein. C'était mieux. C'est la tête du loup, aujourd'hui, que vous allez voir. Je l'ai fait avec mes crayons Prismacolor. Puis voilà. Donc c'est un dessin que j'ai imprimé sur le papier Clairefontaine, hein, que je vous avais déjà montré, le bloc que j'avais acheté chez Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, donc vous aurez la deuxième vidéo avec la suite de ce colo, demain ou après-demain, je verrai. Oui, je verrai comment je vais faire. Puis voilà. Bon, sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf, docteur? C'est le cas de le dire parce qu'en ce moment, c'est beaucoup docteur. Comme je vous avais dit, j'ai fait ma scintigraphie. On le sait, hein, ça ne s'est pas guéri, hein. Donc, l'opération est toujours d'actualité. Là, j'attends pour voir mon endocrinologue. D'ailleurs, j'ai vu mon médecin traitant, parce que je m'avais fait faire une prise de sang, une grosse prise de sang, parce que, bon, vous savez, je suis énormément fatiguée. Et donc, on a fait la prise de sang, mais là, une bonne, hein, 6 flacons, pour voir ce qui n'allait pas. Il y a deux, trois petits trucs qui vont pas, et surtout, je n'ai plus du tout de vitamines. Voilà, donc je suis HS en vitamines, donc là, bonne dose de vitamines en ce moment. Alors, je n'ai plus de B12, bien sûr. Enfin, presque plus, celle-là. Et plus de B9. Alors, celle-là, elle n'est plus du tout. Elle est ras des pâquerettes. J'en ai plus du tout. Puis, bon, deux, trois trucs. Le cholestérol, ça, bon, c'est normal. Enfin, normal. Non, c'est pas normal. Mais bon, je suis en traitement depuis quelques mois déjà. Ça commence à baisser doucement, doucement. Mais bon, il y avait ça, et puis bon, la thyroïde est toujours pareil. Ça, on va pas. Ça ne pouvait pas, comme je viens de dire, ça ne pouvait pas guérir. Donc voilà. Et il m'a rassuré. Donc en plus, j'ai rigolé. Il m'a dit, c'est pas, il faut pas rire. Oui, mais bon, de toute façon, si je ne le prends pas en rigolant, je vais pleurer. Ce sera pas, ça ne servira à rien. Là, c'est pour ça qu'il m'a dit d'appeler mon endocrinologue mardi, si celui-ci ne m'a pas téléphoné avant. Donc là, j'ai toujours pas eu de coup de téléphone. Pour avoir très rapidement mon rendez-vous pour l'opération. Parce que là, je suis en risque d'arrêt cardiaque. Voilà. Youpi! C'est la bonne nouvelle. Mardi, je vais téléphoner à l'endocrinologue pour qu'il se remue les fesses, hein, pépère. Oui?
pour qu'il me voie rapidement et puis qu'on fasse l'opération rapidement, voilà. Parce que bon, j'ai encore un petit peu de temps à vivre hein, quand même. L'arrêt cardiaque, c'est pas le moment. Bon, je prends avec le sourire, hein, de toute façon, rien d'autre à faire. Et puis Chouchou, lui aussi, a vu son médecin, enfin spécialiste, je ne sais plus. Je sais plus c'est quoi comme médecin. Enfin, soit. Parce que lui, il a un problème d'aorte abdominale. Alors, lui, pareil, les nouvelles sont bonnes. Alors, lui, par contre, pour lui, je ne rigole pas. Vous voyez, je rigole pour moi, mais pas pour lui. Parce que là, il a... Ah, ça y est, j'ai oublié le mot. Anévrisme, voilà. Il a un risque d'anévrisme, ou il fait un anévrisme en ce moment, je ne sais plus exactement. Pff, en ce moment, avec tous les mots de docteur, de médecin, de radio, de... Pff, tout se mélange. Donc, un anévrisme abdominal. Donc, il a une aorte qui... Bon, je vais vous expliquer. L'aorte, si vous voulez, elle est comme ça. Et là, il y a un endroit, ça s'agrandit. Donc, c'était... je ne sais plus à combien ça doit être normalement. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était à 32. Donc, c'était déjà pas normal. Là, il a été le voir hier avant-hier. C'était à 35. Donc... Ça grandit. Et là, donc, il va le revoir au mois de mars. Et il lui a posé la question, puisqu'on ne peut pas y aller à deux. Hein. C'est ça qui est dommage. On ne peut plus aller ensemble aux visites médicales. Il lui a posé la question, si ça grandit trop d'un coup ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça claque et on meurt. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, au mois de mars, il va le revoir. Et si ça s'agrandit encore, là, bah, lui, il se fait opérer aussi. Et on va lui mettre une aorte artificielle. Voilà. Donc, alors, j'en ai parlé aussi à mon médecin traitant pour savoir si le médecin spécialiste avait bien dit des choses ou s'il avait juste dit pour faire peur ou quoi. Parce que bon. Et mon médecin traitant ne m'a pas rassurée non plus parce qu'il m'a dit, ben oui, c'est ça, c'est les rendez-vous, c'est bien au bout de 6 mois. Mais j'ai eu une patiente qui, au mois d'août, est décédée alors qu'elle avait son rendez-vous au mois de septembre. Donc ça ne rassure pas, là, par contre, ça ne me rassure pas du tout. Vous voyez, je m'en fais beaucoup plus pour mon mari que pour moi. Moi qui me dis que je pouvais avoir un arrêt cardiaque, je rigole. Mais là, que mon mari peut... Que dans son ventre, il y a un truc qui peut claquer du jour au lendemain et qui peut y rester. Là, je rigole pas, par contre. Donc, voilà les nouvelles. On est encore jeune, hein. Moi, 58, bientôt 58, lui, 64. C'est pas le moment... Donc, j'espère que ça va tenir jusqu'au mois de mars. Et puis, qu'au mois de mars, même si ça grandit, bah, qu'il l'opère et puis qu'il lui met une aorte artificielle et puis qu'on soit tranquille. Voilà. Ah, les bonnes nouvelles. Bon. Donc, voilà. Bah, je voulais en parler avec vous. Bon, certains d'entre vous s'en fichent peut-être. Mais bon. Non, je dis ça, mais je... Mais vous savez que je sais que certains d'entre vous aiment bien que je donne des nouvelles. Donc voilà, les nouvelles du moment. Elles sont pas bonnes, hein, je le sais. Mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Alors du coup, hier, mon mari a fait des recherches sur Internet. Bon, je sais que quand on a des trucs médicaux, il ne faut pas faire de recherches sur Internet. Mais il a quand même vu un truc qui disait que l'aorte pouvait ralentir de grandir si on se mettait au régime et qu'on arrêtait de prendre du poids ou qu'on perdait de la masse grasse, voilà. Comme moi aussi j'ai besoin de faire régime pour mon opération de toute façon,
Et puis pour mon autre opération, puisque j'aurai une autre opération l'année prochaine, on s'est mis au régime. De toute façon, ça ne peut pas nous faire de mal. Voilà. Et puis on verra bien. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est régime. Là, d'ailleurs, il a fait un mouillon. mais comme je dis, ça ne peut pas nous faire de mal d'être au régime. Voilà. Moi, ça me fera du bien. Hein. Et puis lui aussi, du coup. Voilà. Donc voilà. Allez, on va arrêter de dire des choses qui ne donnent pas la joie. Et là, maintenant, je vais vous laisser regarder la vidéo, ce sera beaucoup mieux. Et je vous fais plein, plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous, bon visionnage.
Thank you.